Nous sommes ici pour accueillir le poste à cheval du lac du Bourget. C'est un dispositif que nous reconduisons pour la troisième année à la demande des élus. Deux gardes républicains et six chevaux de la garde républicaine qui ont d'ailleurs participé au défilé du 14 juillet sont présents. Donc nous, nos missions, en fait, c'est venir au niveau des sites touristiques, donc en l'occurrence le Bourget du lac, pour dissuader et surveiller un peu tout ce qui est zone d'afflux touristique, telles que les plages. Nous avons plusieurs sites comme le Bourget du lac, les Motets, Aix-les-Bains et Bourdeaux. On a détaché six chevaux sur le poste du Bourget du lac. On a une capacité de déplacement avec deux chevaux, deux personnels. Donc ce sera des patrouilles par effectif de deux. Et une patrouille le matin, une l'après-midi. Alors ce dispositif intègre le dispositif estival de protection de la population qui intègre à la fois la brigade nautique qui œuvre sur le lac et qui contrôle les plaisanciers, qui intègre également des patrouilles en VTT électrique fournies par la commune. Nous avons également des patrouilles à pied, des patrouilles en véhicule et puis des patrouilles de motocyclistes qui viennent renforcer et faire de la sécurité routière. Tout ceci, eh bien, c'est pour accompagner la population qui se rassemble sur un lieu touristique et particulièrement attractif comme l'est le lac du Bourget.